Fripp! Fripp! Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est moi, Pouille. Qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que tu dors? Évidemment que je dors. Oh, que veux-tu que je fasse d'autre en plein milieu de la nuit? Tu n'as pas entendu? Si, j'ai entendu une voix. Ah oui? Une voix basse et caverneuse. Et qu'est-ce qu'elle disait, la voix basse et caverneuse? Elle disait... Fripp! Yeah! Espèce de nouille! Qu'est-ce qui te prend de me réveiller comme ça au beau milieu de la nuit pour me demander si je dors? Je peux pas dormir, Fripp. Tu n'as qu'à compter des bulles. Fripp! Quoi? Tu dois me promettre que tu vas pas rire de moi. Pouille, si je ris, je veux que le ciel te tombe sur la tête aussitôt. Il y a un fantôme sur le toit. Je savais que tu rirais. Je savais ça. Je ne ris pas, Pouille. Mais tu vois bien que je ris pas, hein? Pouille, je ris pas du tout. Qu'est-ce que tu m'as dit qu'il y avait sur le toit? Fantôme, Fripp. Oh. J'ai des frissons dans le dos, rien que d'en parler. Pouille, allons donc, un fantôme. Et puis quoi encore? Dans la bande dessinée, passe encore, mais dans la vraie vie, ça fait pas très sérieux. Il y a un fantôme sur le toit, je l'entends marcher. Tu l'entends marcher? Oui. Mais allons donc, Pouille, ce doit être le vent. Le vent ne marche pas. Viens avec moi. Où ça? Sur le toit. Ah non! Il n'est pas question que j'aille sur ce toit, qui est infesté de fantômes. Pouille, ne sois pas bête. Non. Il n'y a pas plus de fantômes sur ce toit que de cornes à la lune. Et si je veux t'emmener sur le toit, c'est bien pour t'en faire la preuve. Bah, tu peux faire toutes les preuves que tu veux, mais moi, je vais rester ici. Bon. Allons donc, Pouille. Tu n'as rien à craindre. Et tu sais pourquoi tu n'as rien à craindre? Non, pourquoi? Parce que ton fantôme, c'est là qu'il se cache. Mais moi, c'est là que je l'entends marcher. Pouille, tais-toi et monte. Oh non! Allez! Il fallait que ça arrive ce soir. Oh, sacré vent. Me bousiller mon antenne télé. C'est fait exprès. Moi qui n'ai jamais rien demandé à la vie, sinon que de pouvoir écouter bien gentiment mes petits programmes télé. Malédiction. C'est pas possible d'être aussi tordu. Bon, ben voilà autre chose maintenant. Mes pinces qui sont cassées. Oh. Tu montes? Oui, je monte. Qui est là? Personne. Évidemment. Pourtant, je suis bien certain d'avoir entendu des bruits de foie. Oh.
Il était là. Il était là, le fantôme était là. Je l'ai vu. Il m'était là. Il me regardait, Fripp. Pouille, casse-toi. On m'appelle. Pouille, ôte-toi de là, tu m'écrases. Oh, Fripp. Qu'est-ce que tu fais là, Fripp? J'attends l'autobus. Bon. Allez, triple nouille. On remonte là-haut. Ah non, il n'est pas question que je retourne là-haut, moi. Et comment qu'on y remonte? Je vais te démontrer qu'il n'y a pas le début du commencement de soupçons de fantômes sur ce toit. Je veux pas en avoir la preuve, moi. Je veux juste qu'il s'en aille, c'est tout. Oui. Suis-moi, j'ai dit. Y'a pas de fantôme ici! Ah! Oh! Au secours! Oui, je l'ai vu! Tenez-vous comme je te vois! Il était là, il me regardait! Oui! Qu'est-ce que tu veux? Le fantôme! Oh, je le savais! Oh, déménageons! Pardon! Fuyons, Fripp! Tout de suite! Maintenant! Mireille! En plus, il y a des souris! Ah! Vite! Oui! Non! Non, quoi? Pas question de s'enfuir! Comme tu es courageuse, Fripp! Merci, Pouille. Ça m'a fait plaisir de te connaître. Tu me manques déjà. Minute, papillon. Qu'est-ce que tu dis? Pas question que tu t'en ailles, monsieur. D'abord, c'est toi qui as peur des fantômes. C'est bien pour ça que je veux pas y aller, Fripp. Non, tu viens avec moi. D'ailleurs, j'ai une excellente idée. Oh non! Voici ce que nous allons faire. Ils ont détalé comme des lapins. C'est qu'on ne s'en prend pas à Jérémy Tocard comme ça. Les petits rigolos du 16e. J'aurais dû y penser. Quand quelque chose va mal, ils ne sont jamais bien loin, ces deux-là. On vivait en paix ici depuis 40 ans, avant qu'ils ne paraissent dans le décor, ces deux-là. Et depuis, c'est l'anarchie la plus complète. C'est-à-dire, je vais leur faire une petite frousse qui devrait les calmer pour quelque temps. Si mes dents claquent et mes os s'entrechoquent. Dis-leur de claquer et de s'entrechoquer en silence. Je veux rentrer à la maison. Pouille, ne sois pas bête. On fait comme je t'ai expliqué. Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent? Bon. Voilà, je vais t'aider. Pouille, je vais me faire... Tu vas te faire rater, je vois plus rien. Voilà, bon. C'est devant qu'il faut mettre les trous. C'est beaucoup mieux comme ça. Tu es
Vite, sauvons-nous. Le fantôme est à nos trousses. Mais lâchez-moi. Je vous interdis de me toucher. T'as une drôle de voix, Fripp. Quoi? Mais non, ma voix est tout à fait normale. N'aie pas peur, Pouille. Je suis là. Mais me lâcherez-vous à la fin? Monsieur Tocard! Quel bon vent vous amène! Monsieur Tocard, c'est vous? Mais qu'est-ce que vous faites au beau milieu de la nuit déguisé en fantôme? J'allais justement vous poser la même question. On s'est déguisé en fantôme pour faire peur aux fantômes. Oui. Figurez-vous que Pouille entendait des bruits bizarres sur le toit. Il était persuadé que c'était un fantôme. Explication fumeuse. Dois-je leur faire confiance? Dois-je croire à cette histoire de fantôme? Bon, eh bien maintenant qu'on sait qu'il n'y a pas de fantôme sur le toit, on va pouvoir dormir en paix. Ah, tu parles. Bonne nuit, Monsieur Tocard. Bonne nuit, Monsieur Tocard. C'est ça, c'est ça. Bonne nuit. Bon, je vais ranger tout ça maintenant. Pouille. Tiens. Combien de fois va-t-il falloir que je te le dise? Quoi? Il faut toujours fermer la porte du cabanon. Je l'avais fermée, Fripp. Oui, c'est ça. C'est le fantôme qui l'a réouverte. Hein? Non. Oh, vraiment, Pouille. Bien sûr, Fripp, je l'avais fermée. Tu es de mauvaise foi. Qu'est-ce que tu dis? Quoi? Mais j'ai rien dit. J'avais cru attendre quelque chose. Mais non, Pouille, je n'ai rien dit. Très bien. Mais ouvrez la porte! Il fallait pas leur faire confiance. Des scélérats. Ouvrez cette porte immédiatement.